Salut à tous, nouvelle sortie détection, toujours en compagnie du doyen. Voilà, et donc nouveau champ que je n'ai encore jamais fait. Donc on va voir ce qu'on peut trouver là-dedans. On va voir ce qu'on peut trouver. Voilà, allez, je rallume dès que j'ai quelque chose. Allez, tchuss. Ouais, premier trou, première trouvaille. Ici, c'est une monnaie. Par contre, ouais, hop là, mise au point, très très fine. Ouh, je crois qu'à mon avis, vu son état, je crois que c'est une savonnette. Allez, je rallume à la prochaine trouvaille. Allez, tchuss. Allez, nouvelle monnaie pour moi, après, ouais 10 minutes, ouais, pas 10 minutes, je raconte. Ouais, après une petite heure. Y a pas grand chose dans ce champ, quelques trouvailles mais pas grand chose. Voilà, si le doyen a fait je crois une napo, voilà, et une uniface, voilà, et là ben là j'ai une monnaie. Hop, je crois que c'est de l'aluminium il me semble. Hop, on va voir ça. Non, même pas. Non. Ah, oh la vache, ouais, franchement c'est la honte pour moi là. Une 20 centimes d'euros. Allez, hop, voilà. Allez, bon bah je rallume ma prochaine trouvaille, tchuss. Allez, nouvelle monnaie. En fait, compte, on a changé de champ. Donc là, je suis dans un champ que j'ai déjà fait, une ou deux fois. Et donc là, je me permets de repasser par-dessus. Hein. Par contre, le champ n'est pas encore labouré, donc c'est pas le top. Donc là, une nouvelle monnaie. Encore dans la motte, je pense que c'est du napo. À mon avis, ça doit être du napo. Non, même pas. C'est pas du napo, je vais pas la frotter. On verra ça après. C'est pas du napo. C'est un peu plus fin. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Hein, on verra ça au bilan des trouvailles. Allez, je rallume ma prochaine trouvaille. Tchuss. Allez, nouvelle monnaie après quelques déchets et l'autre monnaie que je n'ai pas frotté. Et là je viens de faire une blanche, une petite blanche. Vous voyez, par contre très fragile et je viens de la craquer. Voilà. Ah, je suis un peu dégoûté là. Ouais, et, elle est très très fragile. On verra ce que c'est au nettoyage. Un peu déçu. Allez, sur ce, ben là je vais manger et puis on prendra par la suite. Allez, tchuss. Allez, nouvelle trouvaille après le repas. Donc en fin de compte, on a changé de champ. Donc je suis de nouveau dans un champ où j'ai fait une de mes blanches il y a 2 ans. Et donc là, première trouvaille. Par contre, je suis un peu déçu. Voilà. Un reste de boucle de chaussures. Voilà. Tordu. Voilà. Dommage. Allez, je rallume ma prochaine trouvaille. Allez, tchuss. Allez, après la boucle. Une monnaie. Une là ici. Hop là. Et c'est une de training à mon avis. Un an 10. Voilà. Une Deep Fenig. Et pour la date. Avec ce, je suis bête moi. Elle est là. Voilà, 1874. Voilà. Allez, j'enlève ma prochaine trouvaille. Tchuss. Allez, nouvelle trouvaille après le. Après quelques déchets et un phénix que j'ai pas filmé. Donc là j'ai un nouvel objet.
regarder. Hop là. Par contre, aucune idée. Avec un petit pas de vis ici. Je sais pas s'il y a un trou ici, hein, mais bon. C'est décoré. Ici, il y a des petites ailes. Ah, aucune idée sur ce que ça peut être. Voilà. En tout cas, ça servait à serrer quelque chose. Mais bon. Après, j'en sais pas plus. Voilà. Bon ben sur ce, hop là, magnifique. Je rallume dès que j'ai une prochaine trouvaille. Allez, tchuss. Allez, une trouvaille pour moi. Après, je crois que l'objet était juste là. Après là, j'ai fait une merdouille là, une merdouille là-bas. Et là, une petite trouvaille sympathique aussi. Regardez, hop là. Pour ceux qui sont connaisseurs, vous savez ce que c'est. Ah, il y a un petit creux ici. Voilà. Et là, c'est pointu. Hop là. Voilà. Voilà. Donc celle-ci, par contre, c'est une pièce recourbée. Apparemment, elle a été pliée comme ça. C'est pas d'un seul tenant. Voilà. Ah bah ça fait plaisir. Petit objet sympathique aussi hein, à faire. C'est cool. Allez, bon ben bah, voilà, vous voyez le petit trou là. Hop. Les petits trous pour tenir. Super. Allez. Bon ben bah, je rallume la prochaine trouvaille. Allez, tchuss. Allez, nouvelle monnaie pour moi. Après ouais ça fait bien ouais 3/4 d'heure, 1 heure qu'on tourne et là de nouveau une blanche, regardez. Par contre c'est dommage. Ouais ça m'a l'air savoureux, hein. C'est savoureux de chez savoureux. C'est dommage hein. Faisait son petit point hein. Ouais, c'est une blanche type napo. Napo ou santé simie, quelque chose comme ça. Voilà. On verra ça au nettoyage, vraiment il y a encore quelques restes. Hein. Allez. À la prochaine trouvaille, tchuss. Allez, nouvelle trouvaille après la blanche. Hein. Donc on a regardé avec le doyen. Alors la monnaie, c'est une Louis-Philippe. Louis-Philippe, voilà. Par contre là j'ai une nouvelle trouvaille super sympathique, regardez, hop là, une petite médaille religieuse, donc là j'ai déjà brossé, voilà, elle est magnifique avec la bannière inversée, vous voyez, voilà, et franchement elle est superbe, elle est magnifique, ça fait longtemps que j'en ai pas fait une dans un aussi bel état. On va regarder de l'autre côté. Elle est superbe. Voilà. Elle est vraiment magnifique. C'est cool. Ça fait vraiment plaisir. Celle-là encore un petit nettoyage approfondi. Elle sera superbe. Elle sera comme belle. Toute belle. Voilà. Bon bah c'est cool. Allez, je rallume à la prochaine trouvaille. Allez, tchuss. Bon après, on a fait combien de temps là? 6 heures? Ouais à peu près. Ouais, 6 heures de détection. Donc le bilan des trouvailles. Pour le doyen, regardez ça, je sais pas ce que c'est. Je peux mettre ma main, il y a l'ombre avec un petit hibou, c'est joli. Voilà, un petit bouton 82 lignes, un 50 de lignes. Ouais, celui-ci, super chemin de fer de l'est. Dommage, il n'y a plus la tâche derrière. Ça, c'est pas ouais, c'est dommage. Couronne, c'est magnifique. Après, on a un petit bouton en plomb. Par contre, ouais, c'est pareil, il n'y a pas la tâche derrière, mais c'est normal. Une petite boucle, une autre petite boucle. Dommage, j'ai pas l'ardion. Petite boucle de chausse, hein, ça. Non ouais. Peut-être, ouais. Chaussure. Je pense que. Ça se peut.
petit jeton. Voilà. Si vous avez une idée. Derrière, bon, rien. C'est la même chose. Reste de coulure de plomb. Voilà. Ça vaut. Ça vaut. Hein. C'est quoi, ouais, une royale? Oui, je parle. On voit la tête, on voit le buste. Pas encore, quoi. Ah, je crois, il me semble. Ah oui. On va bien rincer. Bien rincé. Là, par contre, celle-ci, ouais, c'est plus fin, ça. C'est beaucoup plus fin, ça. C'est savonnette. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouh. La petite 2 centimes, la peau, magnifique. Ah oui. Ah, c'est sûr, avec la lumière. Voilà. Magnifique. Ah, celle-ci, elle va bien sortir. Notre cher Napoléon III. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Encore une Pfennig. Non, même pas ça. Si, si, c'est un Deep Pfennig. C'est un Deep Pfennig. Bien rincé. Voilà, un petit anneau. Après, qu'est-ce qu'on a? Encore une Pfennig. Un anti-bredouille. Après, là, 2-5 centimes Napo. Celui-là, il est super. Côté, qu'est-ce qu'on a comme date? 54 2054. Celle-ci, pareil, ouais, 56, avec une patine un peu plus noire. Voilà. Après, encore un petit anneau, une Pfennig encore. Voilà, un petit mouton. Une petite croix, magnifique, dommage. Et encore le petit Jésus dessus. Ah, c'est dommage. Et puis, il manque les pattes, il manque les pieds. Et un petit bouton. Oh, c'est même que le mien celui-là. Ouais. Et une petite, je sais pas quoi, une pelle à tarte ou j'en sais rien. Couteau à poisson, je dirais. Ou un couteau à poisson. Voilà. Et après, ici encore une monnaie. Ah, c'est d'où il bug le téléphone. J'ai encore du chou. Fait chier ce téléphone. Je suis désolé pour Gourmand, mais il déconne le téléphone apparemment. Il y a du chou. Voilà. Et pour moi, non, encore les merdouilles là. Regardez. Plein de choses là, il y en a. Hein. Mine de rien. On creuse pas pour rien, hein. Ça en fait des merdouilles. Voilà. Et puis pour moi, un bouton. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus banal. Non, pas un bouton, un reste de meuble. Un bouton. Voilà, bien fichu. La boutrole. Voilà. Une pierre à silex. Une boucle. Une plaque de vélo, il me semble, hein. On n'est pas sûr encore, pas, hein. Sûr. Pas sûr. La carotte. Ouh, la petite carotte. Et un marqué Suisse, très bien. Ah, mais voilà, c'est ça. Suisse, très bien. Suisse, très bien. Après, qu'est-ce qu'on a encore? Alors, des anneaux. Trois anneaux. Trois petits boutons. Alors, ceci, d'après le doyen, c'est un. C'est quoi déjà? C'est pour, je pense que c'est un robinet pour ouvrir le bain, les petits tonneaux de bain qu'ils avaient, je suis pas sûr, hein, non plus. Hein, avec un petit ange dessus, ouais. Ça c'est magnifique par contre. Ouais. Et après, les monnaies, donc on a une Louis-Philippe en blanche. Celle-ci, ben, on verra ça au nettoyage. Celle-ci, c'est pareil, j'en sais rien, rincé. Ça c'est une loulou, pareil, flinguée. On voit encore le buste ici. Et après, qu'est-ce qu'on a? La Deep Pfennig, la 1 Pfennig, la 20 centimes d'euros et la petite médaille religieuse. Voilà. Elle est superbe.
magnifique. J'ai pris à l'envers. Voilà, avec la bélière inversée. C'est cool. Voilà. Bon bah écoutez, c'est cool. J'espère que la vidéo vous aura plu. On vous dit à plus pour une sortie détection. Ouais, poil de carotte. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce. Et plus si affinité. Voilà. Allez, sur ce, on vous dit ciao. Et salut.